Good morning. Allez, il y a une histoire aujourd'hui. Le Nishmat David Ben Fortuna Zalfritna, Lucien Batvaina et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Masechet Sota. Perek Bet, Mishnah Bet. Aya Mevi, Piale, Shelcheres Hadasha. Venotan et Ocha, Hatzilog Maim, Minakior. Rabbi Yehuda Omer, Revi'it. Keshem, Shememaet, Baktav, Kach, Memaet, Bamaim. Nichnas la Echal. Ufana limino. Umakoma yasham ama alama. Vetavla shal shayish vetabaa taita kvua ba. Urshu magbia. Notel afar mitachtea. Venoten kedei sheyirae alamaim shenemar. Umine afar asherye bekarka amishkan. Ika hakoen venatan ala elamaim. Quatre étapes dans le rituel de la sota lorsqu'on se retrouve au Betamigdash. Tout le côté humiliation de la femme, on déchire les vêtements, d'accord? Il y a l'humiliation de la femme, la mincha qu'elle va devoir apporter, la préparation de l'eau de la sota jusqu'à la faire boire, et la shvua, le fait de faire jurer la sota, qu'elle n'a pas fait sa faute. On avait expliqué dans la mishnah précédente, on avait déjà introduit, que on fait pas une après l'autre, mais on avance un petit peu par-ci, un petit peu par-là, on avance, ça va, ainsi de suite. Chaque fois, on va commencer à préparer un petit peu l'eau, ensuite préparer à la faire jurer. On commence d'abord par l'humilier, après on commence à préparer un petit peu l'eau, on commence à préparer la mincha. Et là maintenant, on va s'intéresser, donc, une fois qu'on avait déjà évoqué que le mari devait apporter maintenant le panier avec dedans la mincha de la femme, c'est la préparation, ce qu'on va commencer à faire maintenant, on va commencer à préparer l'eau. Comment est-ce qu'on fait? Ayam evi fiale shel cheres radasha. Le Kohen apportait, c'est le Kohen qui s'occupe de faire ce rituel, il apportait des fiale shel cheres radasha. Fiale, c'est un peu comme des fioles, tout simplement. Kos bilchon yevani, il nous dit le Barthénora, paile, fiole, j'imagine c'est le même principe, c'est un petit ustensile, non, au-dedans il a ramassé de l'eau, d'où, venotan enotocha chatzilog maim menakio. Et dans cet ustensile qui était en cheres, en argile, de nouveau quelque chose de rabaissant, les ustensiles les plus bas de l'époque c'était en argile, c'était quelque chose qui était très rapidement, ça retenait toutes les odeurs, ça se détériorait très vite, c'était pas, de nouveau, en principe, est-ce qu'on vit comme un animal, est-ce qu'on vit comme un animal aussi. Donc on apporte maintenant cette fiole, ce petit ustensile en cheres, on le remplit avec du, on met dedans une dose de chatzi log minakior, un demi log d'un kior. C'est quoi chatzi log? Vous vous rappelez les mesures? Pour donner une idée, on a escalav gudo, efa sea kav log beitza. Log beitza et gudo, gimel vav dalet vav, donc log et beitza. Dans un log, il y a 6 beitza, 6 œufs. Un œuf, c'est 54 cm cubes, millilitres. D'accord, c'est la mesure qu'on a. Elle fait chatzi log mise, donc ça veut dire 3, l'équivalent de 3 œufs. On va faire 150 millilitres d'eau, tout simplement. D'accord? Parce qu'on boit, alors on boit un Revit à log, quand on boit un Revit, le jour d'un Revit 86, 150, ça fait deux fois plus, hein, ça fait 300, j'ai un petit problème dans le décompte, c'est pas très grave. Log, je sais pas, j'ai un petit problème de compte, là. C'est pas grave. Concrètement, donc elle va faire l'équivalent de 3, le volume de 3 œufs d'eau. Le but de cette eau, vous savez, ça va être quoi? Il l'a mis maintenant dans une sorte d'assiette comme ça, hein, avec dedans de l'eau. Le but, c'est qu'après, quand le Kohen va écrire la parasha de la sota, il va l'effacer dedans. D'accord? Mais pour le moment, donc, il apporte cette eau. Il y a deux points. Une chose qui est écrite dans la Mishnah, on va parler qu'il va devoir prendre, ramasser de la terre du Afar Karka à Mishkan. Il faut ramasser de la terre et la mettre dans cette eau. Il y a le Tiver d'Israël dans l'introduction sur le Perek. Il nous rajoute aussi qu'il faut apporter une herbe amère. C'est écrit dans la Gemara. Il fallait mettre aussi une petite herbe amère. L'eau, elle devait être amère. Et rajouter dedans cette terre. Donc ça, d'abord, c'était la quantité qu'il devait apporter. Chatzi log maim minakior. Un demi-log d'eau en le rapportant du kior. Rabbi Yehuda Omer revit. Non, il ne fallait pas un chatzi log. Il fallait juste un revi'ita log. D'accord? C'est-à-dire, si le log, je reprends, si le log, il fait 620 millilitres, donc la moitié, ça fait 310. Et lui, il nous dit, non, tu fais juste 155 millilitres. 155 millilitres, ça correspond. D'accord? Je
je me suis planté quelque part, il y a un problème technique. C'est pas grave, je recommence. Le log lui-même, le log, il fait 6E, si 1,9, c'est 54. On va dire 54, 56, bon, 54, on va dire 54. Donc ça fait l'équivalent de 6. Donc ça va faire 300 plus 6 fois 4, 24. 324 millilitres, une canette de coca. Khatsi log, ça fait 150. Ruita log, ça fait le quart de ça. Le quart de ça, d'accord. Donc ça fait 150 divisé par 2, ça fait 75, 80 et quelques, peut-être 86, c'est ce qu'on tient en général, 86 millilitres. Apparemment, je dois me tromper dans les petites, au lieu de 54, ça doit être 56, c'est les shiurim de Reb Chaim Nahé, ou... Donc, quand 86 millilitres, concrètement, c'est le ruita log. Et ensuite, oh, ben non, la Mishnah nous précise, donc tu vois qu'il y a une marque-loquette. Selon Tanakama, il faut prendre un demi-log. Selon Rabbi Yehuda, tu prends un quart de log. Pourquoi la mesure diminue? C'est très simple. Keshem shememaet baktav, kar memaet bamaim. Traduit, autant qu'il doit diminuer dans l'écriture, il doit diminuer dans l'eau. On verra concrètement dans l'eau de la sota. Le principe de l'eau de la sota, c'est de prendre, d'écrire la paracha de la sota, certains psukim de la paracha de la sota, et l'effacer dans cette eau. On aura plusieurs avis, combien de psukim et combien de mots on doit écrire de cette phrase. Celui qui va donner la limite, le minimum de mots à écrire, ça va être Rabbi Yehuda. Donc d'après Rabbi Yehuda, t'as pas beaucoup à effacer, prends un petit peu d'eau. D'après Chachamim, t'as beaucoup à effacer, prends beaucoup d'eau. Tout simplement, ce que la Mishnah me dit, autant que Rabbi Yehuda diminue la quantité d'écriture, eh bien, il diminue aussi la quantité de l'eau. Ensuite, donc maintenant, je reprends. Il a pris son assiette, il a mis dedans de l'eau, en vue d'effacer dedans l'eau de la sota. Nichnas la echal au fanal emino. Il rentre ensuite dans le echal. Il y avait au Bet HaMikdash, à part le Khatser, où il y avait là-bas le Mizbeach. Il fallait ensuite, il y avait le echal, en direction du Kodesh HaKodeshim. Le echal, c'est d'abord le préau, qui était entièrement couvert, avant d'entrer dans le echal. Et quoi? Qu'est-ce qu'il devait faire là-bas? Ou pas les minots, il rentre dedans et il tourne à droite. Et il y avait là-bas, dans un coin, où Makom Ayasham Ama Al-Ama. Et il y avait là-bas un endroit qui faisait une mesure de une Ama sur une Ama, une coudée sur une coudée, 60 cm sur 60 cm. Ve Tavla Shel Shaish. Et c'était recouvert avec une plaque de Shaish de marbre. Ve Tabat Aita Kevuaba. Il y avait dedans un anneau qui était fixé dessus. Donc en fait, c'était un couvercle que tu pouvais lever comme ça, et c'est exactement ce qu'il va faire. Urshu Magbia, et quand il l'a levé, Notel Afar Mitartea, il ramasse de la terre qui était sous ce couvercle, il ramasse de la terre, Venoten, et il le met dans l'eau. Quelle quantité? Kedeshayerae alamaim. Tu ne mets pas juste quelques petits grains, tu dois mettre une quantité assez importante pour qu'on le puisse voir. Que tout celui qui voit l'eau, il voit tout de suite qu'il y a de la terre qui flotte dessus. Que déchirerait à la même de manière à ce qu'elle soit visible sur l'eau. Chez Nehemar, comme nous dit le verset, Omine Afar Asheriye Bakarka, et de la Bekarka Amishan, et de la terre qui sera dans le Karka Amishan, qui sera sur le sol du Mishkan, Ikar HaKohen, il donnera, et il prendra le Kohen, Venatan El Amaim, et devra donner sur l'eau. Normalement, quand on parle hébreu, normalement, on dit Venatan Bamaim. On doit donner dans l'eau, mélanger de la terre dans l'eau. C'est quoi mélanger El Amaim en direction de l'eau? De là, on déduit El Amaim, il faut que tu mettes une quantité qui ne va pas être engloutie et perdue dans l'eau. Non, il faut qu'elle reste, tu la mets sur l'eau, mais qu'on la voit encore qu'elle est là importante, donc il faut mettre une quantité importante de terre, de manière à ce qu'elle ne se fonde pas, elle ne se perde pas, elle ne se mélange pas. D'accord? Et comme ça, on a fini pour le moment de préparer l'eau avec la terre, et comme ce qu'on a dit, on rajoute l'herbe amère, en vue ensuite d'effacer la paracha de la sota, comme ce qu'on verra dans les prochaines mishnayot. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, kol tov, v'selah.